لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيع لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركاء. bienvenue sur ma chaîne mon prof à distance. dans cette quatrième partie de notre leçon introduction des nombres rationnels, on va corriger les exercices la page seize. Donc, euh, voici les exercices de la page 16. Donc, ici, on a des exercices d'investissement où on va s'entraîner l'investissement, c'est-à-dire où on va appliquer les règles qu'on a vues dans les parties 1, 2 et 3. Ou, quand vous vidéo, vous la partie 1, partie 2, partie 3. Vous la partie 1, partie 2, partie 3. Donc euh, la partie 4 ici, on a des exercices comme je vous l'ai dit d'investissement. Voici les exercices qu'on va traiter. Ce sont des exercices très importants. Hein? Donc j'espère que vous allez faire un effort, hein? un grand effort plutôt. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution. Alors bon courage. Et on continuera après. Donc euh, voici l'exercice 1, page 16. Euh, recopier compléter chaque colonne en mettant une croix dans les cases qui, qui convient. Donc ici, qu'est-ce qu'on a On a des nombres ici, hein, dans cette ligne. Et dans cette colonne, qu'est-ce qu'on a On a un entier décimal rationnel. Si par exemple. Euh, ce nombre-là, 7,25, est un entier, je vais mettre une croix. Si c'est un décimal, je vais mettre une, autre, une croix aussi, si c'est un rationnel, etc. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, regardez. Donc, euh, d'abord, la question, c'est quoi un entier Il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est qu'un entier, qu'est-ce que c'est qu'un décimal, qu'est-ce que c'est qu'un rationnel mais faites attention pour ce qui concerne le rationnel, on euh, on l'a expliqué on a donné la définition dans la partie 1 ou bien la, la, je crois dans la partie 1 oui donc regardez mais on va bien sûr euh, reconnaître euh, ces nombres là donc on va, on va les redéfinir donc on va, donc on va répéter donc euh, la définition regardez, ou bien on va rappeler la définition leur définition un entier. Donc, euh, un entier et un décimal. Un entier ou un décimal ou un décimal. Donc, un entier. D'ailleurs, un nombre quelconque. Donc, si on a, par exemple, on dit qu'il que, qu est composé de deux parties. Donc, on a, par exemple, des chiffres ici. Une virgule et, et d'autres chiffres. Regardez bien. Donc, cette partie-là s'appelle la partie entière. Et c'est ça, ça c'est très important ça. Hein? Ici, c'est la partie entière. Ça, c'est la partie décimale. On a une virgule. Un entier, c'est quoi Un entier, c'est un nombre dont la partie décimale, hein, il y a euh, uniquement des zéros. Hein, comme par exemple 7 euh, euh, ou bien 75,00 Et on écrit, ici on a des zéros, donc on écrit tout simplement 71. On peut dire par exemple, un entier c'est un, nom, un nombre qui ne contient pas de virgule. Quand vous le là. Ça y est, donc les, de la partie décimale, il y a que des zéros. Quoi encore la, Ou bien le nombre décimal. Le nombre décimal, c'est quoi un nombre décimal C'est le nombre. Qui a la, la partie décimale qui contient uniquement euh, un nombre, ou bien euh, qui contient un nombre fini de chiffres. Donc, euh, si on a par exemple 37, 37,55, donc ici on a un nombre fini, on a deux chiffres après les virgules. Et ici on a aussi des, des zéros. Hein? Donc, ça c'est un nombre décimal. Lorsqu'on dit par exemple. Euh, quand, ou bien 17,33, ou bien euh, 35, ou bien 351, comme ça, on a un nombre fini de chiffres, parce de chiffres, donc on doit ajouter des zéros, donc ici, c'est un nombre décimal. Et aussi, n'oublions pas que 17, par exemple, c'est aussi un nombre décimal. On peut dire 17,0. Donc, il admet, ou bien il a dans la partie décimale, il n'y a que de 0. Donc, un nombre fini de chiffres. Donc, il y a 1, par exemple, 33, 33, 33, etc. Ça, c'est pas un nombre décimal. Hein? Faites attention, un nombre décimal. Donc, n'oublions pas aussi que tout, euh, tout entier, fait, et s'il y a une remarque très importante, euh, tout entier est un nombre décimal. Les entiers se sont... Ré... Mais la réciproque, non. La réciproque, par exemple, bah, lorsqu'on dit 8, 8, c'est un entier, c'est un décimal. Mais lorsqu'on dit 8,5, 8,5 c'est quoi C'est un décimal, mais ce pas un entier. Donc, tout entier, c'est un décimal. On a vu dans la partie euh, 1, faites attention, que tout nombre, ou bien partie 2, je ne me rappelle pas, donc, euh, donc je voulais les parties, la partie 1, etc., comme je vous l'ai dit. Donc, la partie, euh, le, donc, on a vu que euh, la définition d'un rationnel, c'est quoi un rationnel Un rationnel, c'est le quotient de deux entiers. Euh, deux entiers. Hein donc, et n'oublions pas que on a vu que tout décimal est un rationnel. Si on, ouais, oh, euh, et forcément, bien sûr, un entier, c'est aussi, aussi un rationnel. Mais on peut à trouver un nombre qui, qui est rationnel, mais qui n'est pas décimal, comme 1 sur 3. 1 sur 3, c'est le quotient de deux entiers. Donc c'est un rationnel. Mais alors qu'on effectue la division, on va trouver 0,3, 3, 3, 3, etc. Alors ce nombre-là, ce n'est pas un décimal, parce que... Il ne contient pas un nombre fini de chiffres après la virgule. Tout simplement. Donc, un entier. Regardez, 7,25. Ce n'est pas un entier, mais c'est un décimal. Très bien. Et si c'est un décimal, forcément, c'est un rationnel, bien sûr. Donc, euh, quoi encore? 36 euh, sur 4. Voilà, donc 36 sur 4, c'est 9. Et 9, c'est un entier. Donc, c'est un entier. Et puisque c'est un entier, c'est un décimal. Et puisque c'est un décimal, c'est un rationnel. 7 sur moins 8, c'est pas un entier. Pourquoi? Regardez, je vais euh, diviser 7 sur 8, par exemple. Bien sûr, le, le signe, ça va être moins. Donc, si on divise 7 par 8, forcément, on va trouver un nombre qui est décimal et n'est pas un entier. Donc, ce n'est pas un décimal, ce n'est pas un entier, mais c'est un décimal. Et puisque c'est un décimal, alors c'est un rationnel. 137 divisé par 6. 137 divisé par 6. C'est quoi Égal à 22,83333, etc. Donc, d'ailleurs, ce nombre-là, c'est un rationnel. Hein Donc, euh, lorsqu'on effectue la division, qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé un nombre hein, euh, donc qui n'est pas un entier et qui n'est pas décimal. Pourquoi il n'est pas décimal Je répète, parce qu'ici, il faut avoir un nombre fini de chiffres. Faites attention, à la calculatrice, parce qu'on aura aussi. Donc, la, la division ne s'arrête jamais. Donc, on a Donc, « que 3, 3, 3, 3, etc. Ici, moins 223 sur 25. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire on va effectuer la division. D'ailleurs, il n'est pas divisible par 5, mais regardez. Euh, par 25, regardez. 223 divisé par 25. Donc, ce n'est pas un entier, mais c'est un décimal. Et c'est un rationnel. Donc, c'est un décimal et c'est un rationnel. 842 divisé par 7. 842 divisé par 7. Égale. 120 virgule. Regardez, donc, euh, ça c'est, si vous, vous, si vous voulez, c'est pas un. C'est irrationnel, c'est le coefficient de deux entiers, c'est irrationnel, mais n'est pas décimal. Vous pouvez effectuer la division, la moquine de l'enclisme, et ça ne s'arrête jamais. Donc, vous allez trouver que c'est pas un décimal, et bien sûr, c'est pas un entier. On passe en suivant. Euh, pour ce qui concerne l'exercice 2, la première question, choisir parmi la liste des nombres euh, le nombre manquant pour que 22 sur ce nombre-là, l'un de ces nombres, soit un nombre décimal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va effectuer la division, bien sûr. 22, on va la diviser par 3. On va dire par exemple 22 divisé par 3, ça va donner combien 7,3,333. Donc ce nombre-là, ce n'est pas un décimal. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche un nombre. Tel que 22 sur ce nombre-là. Lorsqu'on effectue. Donc, pour que ce soit un nombre. Donc, décimal. 22 sur 5. 22 sur 5. Regardez. 22 divisé par 5. Égal. Alors, ça, ce nombre-là convient. Donc, 5. On peut remplacer 5 ici. Donc c'est 6, regardez la même chose, on n'aura pas un nombre décimal, vous allez constater 22 divisé par 6 euh, égal 3 virgule 6 etc. Donc non aussi. 7, euh, 22 divisé par 7. 22 divisé par 7 égale. 3 virgule etc. Donc le nombre qui convient, c'est 5 pour que pour avoir 22 sur ce nombre là soit un décimal. On passe au suivant donc pour ce qui concerne la deuxième question euh, choisir euh, parmi la liste des nombres le nombre manquant pour que 129 sur ce nombre là soit un nombre rationnel mais n'est pas décimal euh, d'abord pour ce qui concerne tous ces nombres là le 129 euh, lorsqu'on divise 100 ou bien le 129 sur n'importe quel nombre ici, on aura toujours un rationnel. Mais qu'est-ce qu'on cherche On cherche, cherche d'avoir euh, un nombre qui n'est pas décimal. Donc ils sont tous rationnels dans tous les cas, mais on va chercher, c'est-à-dire euh, lorsqu'on divise 129 sur un de ces nombres-là, et on doit avoir un nombre qui est comment Qui n'est qui pas décimal. Donc euh, 129, regardez, 129 sur 4, ça va être un nombre décimal, bien sûr, 124. Vous pouvez, bien sûr, vérifier ça à la main. Donc je vais diviser par 4. 31. Donc, euh, quoi encore? Pardon, 129. 129 divisé par 4 égale à 32,25. Et quoi encore? 129. 129 divisé par divisé par 25. C'est encore un décimal. 129 divisé par 50. C'est encore un nombre décimal. 9 divisé par... Non, 129, pardon. 129 divisé par 9. Égale à 14,333, etc. Donc c'est le nombre qui manque ici, c'est 9. Ou bien le nombre qui convient, c'est 9. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Euh, pour ce qui concerne l'exercice 3, choisir parmi les nombres suivants ceux qui conviennent pour compléter l'égalité. 8 fois un nombre ici égal à 5. Ça, ici on va appliquer la règle qu'on a vue. C'est... Euh, L'équation, regardez, ax, pardon, ax égale à b. Hein, si on a a et b deux nombres rationnels, on a vu, on a vu ça dans la leçon. Hein. x égale à b sur a, c'est la solution de cette équation. Donc, euh, n'oublions pas que ici, je peux mettre un x, voilà. Donc, la solution, c'est x égale à 5 sur 8. Donc, on va chercher les nombres qui sont égaux à, parce qu'ici on aura une seule solution, donc euh, x égale à 5 sur 8. Donc 5 sur 8. On va voir, est-ce que 5 sur 8 égale à 0,625 Donc on va effectuer la division. 5 divisé par 625. Donc, euh, non, 5 divisé par 8, pardon. 5 divisé par 8 égale, égale à 0,625. 625, voilà une solution, ça c'est une solution. 40, il est clair que 40, parce que 5 sur 8, ce n'est pas 40. 5 sur 8, voilà une autre. Ici, on a l'écriture sous la forme d'une fraction. Ici, on dit qu'on a l'écriture sous la forme décimale. On dit que c'est une l'écriture fractionnaire Ici, non, parce que lorsqu'on a divisé, on n'a pas trouvé... 0,625 n'est pas 0,6251, non. Ici, 10 sur 16, vous allez constater que, regardez, 5 sur 8, lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, 8 fois 2, c'est aussi la même, bien sûr, ou bien lorsqu'on simplifie, si vous voulez, si on simplifie par 2, par 2, on aura 5 sur 8. Hein? Ça aussi, c'est une bonne réponse, tout simplement. On passe au suivant. Donc, euh, la même chose pour la question 2. Choisir parmi les nombres suivants ceux qui conviennent pour compléter l'égalité. Donc, ici aussi, donc, on a un inconnu, c'est-à-dire X. Donc, euh, X, ici, la solution, ce sera quoi 7 sur 18. Ce n'est pas 18 sur 7. Faites attention. 7 sur 18. 7 sur 18, la voilà. Ici, A. Ah, Faites attention, ici c'est l'inverse. 18 sur 7. Non, ce n'est pas correct. Donc 0,300. Donc je vais effectuer la division pour voir est-ce que je vais trouver ce nombre-là. Donc regardez 7 sur 18. 7 divisé par 18 égale 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 etc. Donc ni celui-là ni celui-là. Donc euh, A. Donc voilà la bonne réponse. Ça, on dit que c'est un nombre rationnel, mais pas un nombre décimal. Donc, euh, on passe à l'exercice suivant. Donc, euh, pour ce qui concerne l'exercice 4, la première question déterminer le signe de chacun des nombres rationnels suivants 7 sur 3, moins 8 sur 11, etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on sait pour ce qui concerne euh, dans la leçon Qu'est-ce qu'on a vu le signe d'un nombre rationnel, un nombre rationnel A sur B est positif. Quand est-ce que Lorsque A et B, ils ont le si même signe. C'est-à-dire le numérateur et le donateur ils ont le même signe. Euh, a et B, ou bien le numérateur et le donateur ont des signes différents. et doit être négatif. Donc regardez, ici on a 7 sur 5. Alors c'est un nombre positif. Ici c'est un nombre négatif parce qu'on a des signes différents pour le numérateur le donateur. Ici die, euh, négatif. Ici positif. Donc n'oublions pas que je peux écrire aussi 15 sur 23 et 24. Donc, euh, donc voilà c'est positif. On passe au suivant. La question 2. A est un entier relatif positif. Donc regardez. B est un entier relatif négatif. Donc regardez. A est positif, B négatif. Détermine le signe de chaque quotient. Donc regardez ici. Donc bien sûr la règle des signes, c'est quoi? Le nombre rationnel. Ce sont tous des nombres rationnels parce que ce sont les quotients de deux nombres euh, entiers relatifs. Ici qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, on a A sur moins 22. C'est-à-dire, on a un nombre positif, A et moins 21. On sait, bien sûr, il est évidemment, c'est un nombre négatif. Positif par négatif, on aura un nombre négatif. B, faites attention ici, B, c'est un entier négatif. Donc, négatif sur positif, on a des signes contraires. Donc, on aura négatif. Euh, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a A, il est comment Positif. 57 positif. Donc, on a un, un nombre positif. B, il est comment C'est un nombre négatif. Négatif par négatif, ça va donner positif. AB sur quatre, 89. AB, c'est quoi AB A fois AB. Donc, on a un nombre positif fois un nombre négatif. Ça va donner négatif. Le négatif sur le positif, ça va donner bien sûr un nombre négatif. Regardez ici, A est un entier positif, donc on a un positif plus 4, ça va donner bien sûr un nombre positif. Et le dénominateur, on a B, il est comment? Négatif. Négatif moins 4, ça va donner négatif. Donc positif sur négatif, ça va donner négatif. Tout simplement, on passe à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 5, écrire chacun des nombres rationnels suivants avec un dénominateur positif. Donc ici on va utiliser la règle suivante. On a vu dans la leçon bien sûr a sur moins b égal à moins a sur b égal à moins a sur b. Et on a dit, on a vu aussi moins a sur moins b égale à a sur b tout simplement. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc euh, 18 sur moins 8. Donc je peux déplacer ce moins-là en haut. Donc je vais écrire 18 sur moins 8, ça va devenir moins 18 sur 8. Ici, moins 15 sur moins 7, ça va donner 15 sur 7. Encore moins 10 sur moins 33, ça va donner 10, 30. Ça va devenir 10 sur 33. Moins 15 sur moins 7, ça va donner 15 sur 7. Tout simplement. On passe au suivant. Simplifier chacun des nombres rationnels suivants par 6. Donc, ici, on nous, on nous a imposé de simplifier par le nombre 6. C'est-à-dire, on ne nous a pas de, dit tout simplement euh, simplifier, mais on va simplifier par 6. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va diviser le numérateur et le dénominateur par 6. Donc, ici, on a 6 sur 12. On a 6 sur 12 lorsqu'on divise. Euh, le numérateur, le numérateur par 12. Donc 6 divisé par 12, ça va donner 6. Divisé par 6, ça va donner 1. 12 par 6, ça va donner 2. Euh, 24 sur 18. Donc 24 sur 18, je peux écrire euh, au-dessous la solution. Donc 24 par 6, ça va donner euh, 4. Et 18 par 6, ça va, ça va donner 3. Ici, moins 36 divisé par 6, ça va donner moins 6. Euh, 60 par 6, ça va donner 10, tout simplement. Donc ici, quoi encore? 42 par 6, ça va donner euh, 7. Voilà. Et par 6, ça va donner 5. Ici, moins 48 par 6, ça va donner... Euh, moins 48 par 6, ça va donner moins 8. Voilà. Et moins 54 par 6, ça va donner moins 9. Euh, quoi encore? On passe au suivant. Donc euh, ici, pour la question 2, pour chacun des nombres rationnels suivants, indique si elle peut se simplifier par 2, 3, 4, 5, 9. Donc on va commencer par ce nombre-là. Ou bien, ou voilà. Donc est-ce qu'on peut simplifier par 2 Donc pour, euh, pour simplifier par 2, bien sûr, euh, le numérateur et le dénominateur doivent être divisibles par 2. Donc on a déjà vu que... Pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut que euh, Que son chiffre d'unité, euh, voilà le chiffre d'unité, par exemple de numérateur, et voilà le chiffre de dénominateur. Doivent être des nombres pairs, c'est-à-dire divisibles par 2. Donc on peut diviser par 2. Par 3 pour diviser par 3. Donc ici c'est une opportunité pour euh, réviser le, les leçons bien la ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Donc 52, est-ce qu'il est divisible par 2 Donc on va faire quoi La somme, on va additionner les chiffres de ce nombre. 5 plus 2 c'est 7, donc 7 n'est pas divisible par 3. Donc, euh, donc euh, si l'un de ces deux nombres n'est pas divisible par 3, alors on ne peut pas simplifier par 3, bien sûr. Par 4, 52, est-ce qu'il est divisible par 4 Oui, mais non. Euh, non. Euh, pardon, ici il y a le problème euh, dans 14. Regardez, 14 il n'est pas divisible par 4. Donc, euh, 14 n'est pas divisible par 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura euh, euh, Donc, le nombre euh, ne, ne va pas être quoi Divis euh, On ne va pas simplifier par 4. On ne peut pas simplifier par 4. 20, là, 9. Est-ce que c'est divisible Regardez, 14 n'est pas divisible par 9, donc on ne peut pas simplifier. On passe à 24, la même chose, donc 24 et 18 ils sont divisibles par 2, donc on peut simplifier par 2. Par 3, oui. Par 4, euh, non, parce que 18 n'est pas divisible par 4. 5, non. 9, euh, non plus, regardez, 24 n'est pas divisible par 9. Donc 30, est-ce que est divisible par 2 Oui. Mais ce 75, non. On ne peut pas simplifier par 2. Pour ce qui concerne par 3, oui. Parce que 30 est divisible par 3. Et 75 est divisible par 3. Ça fait 25, hein. Donc, donc on peut simplifier par 3. Quoi encore 4 Non. Parce que 75 n'est pas divisible par euh, 4. 30 aussi. Donc si l'un des deux nombres, le numérateur, le dénominateur, n'est pas divisible par 4 ou bien n'importe quel nombre, alors on ne peut pas simplifier par ce nombre-là. Euh, 5, 5 oui, on peut simplifier parce que ici 30, il est divisible par 5, 75 aussi, le chiffre d'unité c'est 0 et 5. 9, quoi encore, 30 n'est pas divisible par 9, donc on ne peut pas simplifier. Donc 135, donc sur 45, n'est pas divisible par, par 2, donc on ne peut pas simplifier par 2, par 3. 45, oui, il est divisible par 3. Mais 135, non, ce n'est pas la peine d'effectuer la division. Donc, on va additionner les chiffres. 1 plus 3 plus 5, ça va donner 9. Donc, 9 est divisible par 3. Donc, on peut simplifier par 3. Euh, par 4, 135. Est-ce qu'il est divisible par 4 Non, parce que 35 n'est pas divisible par 4. Donc, on ne peut pas simplifier par 4. Par 5, oui, parce qu'on a les chiffres d'unité, TC5. En numérateur et en ordinateur. 9. 135, 45 il est divisible par 9, donc on va voir est-ce que 135, regardez, 135 est-ce qu'il est divisible On va le diviser par 9 et on va voir. Ah, 15, donc on peut simplifier par 9. Ah, pardon, pour ce qui concerne 9, on peut additionner les nombres. Donc c'est 9. Donc ça, la même règle, 3 et ça et 9, la même règle, on additionne les chiffres de ce nombre-là. 48 sur, ou bien moins 48 sur 24 divisible par 2. On peut simplifier par 2. Par 3, oui. Parce que 48 est divisible par 3. Euh, quoi encore? 4, oui. 5, non. 9, non plus. 720 sur 540. Regardez. D'abord, euh, pour ce qui concerne 2. Regardez, parce que ce sont des nombres paires, donc, donc ils sont divisibles par 2, donc on peut simplifier par 2. Par 3, la somme des chiffres ici c'est 9. Au numérateur et diminuateur aussi, c'est la même chose, 9, donc il est divisible. On, peut simplifier, on peut simplifier par 3. Par 4, quatre, par quatre, on a 20 et il est divisible par 4, donc le nombre 720 est divisible par 4. 540, 40 divisible par 4, donc 540, ce sont des critères de divisibilité. C'est ça ce qu'on a vu dans la leçon. D'ailleurs, ça, on l'a vu déjà l'année dernière, en première année. 5, oui. 9, 72, bien sûr, on va voir. Est-ce que... Voilà la somme des chiffres, donc c'est divisible. Donc, c'est 720 et 540. Ils sont divisibles par 9, donc on se peut simplifier par 9. On passe au... À l'exercice suivant. Donc, euh, la même chose dans l'exercice euh, suivant. Simplifier les plus, le plus possible les nombres suivants. Donc, 72 sur 24. 72 sur 24. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire On va simplifier. Donc, on va d'abord simplifier par quel nombre Donc, vous allez constater qu'on peut diviser par 2, par 4 aussi. Et on peut diviser même par, euh, par 3, oui, par 9 même. On peut même simplifier par 3. Euh, et ici, donc, il vaut mieux de simplifier toujours par euh, le plus grand nombre hein, possible. Alors, simplifier. Donc, 72 divisé par 9, ça va donner 8. Donc, je peux même décomposer. Je peux écrire 72, c'est quoi c'est 8 x 9. Regardez. Quoi encore 24 c'est 8 x 3. Regardez, voilà le nombre euh, avec lequel je vais simplifier. Regardez, donc euh, on va. Donc regardez, donc je vais simplifier par 8. 9 sur, 4, ah, 9 sur 3. Je peux encore simplifier par 3. Donc j'aurai 3. Tout simplement. 13 sur 69. Donc on va diviser 69 par 3, on va voir 69 divisé par 3, euh, par 13, hein? est-ce que c'est divisible Donc égal à 5, donc je répète 69 divisé par 13. Donc on ne peut pas, vous allez constater que les diviseurs, donc on va bien sûr pour simplifier, qu'est-ce qu'on fait On divise le, le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc les diviseurs de 13, c'est 13 et 1, donc ici... Donc ça va rester comme ça, 13 sur 69. Donc on ne peut pas encore simplifier davantage. Ici on peut simplifier par que nombre? Regardez, 12 et 30. Je peux écrire par exemple 6 fois 5. Je décompose. Ici 6 fois. Ah pardon, 6 fois 2. Ici 6 fois 2. Et le dénominateur 6 fois 5. Je simplifie par 6. Regardez, j'aurai 2 sur 5. Tout simplement. 15, regardez, c'est 45, il est divisible par 15 même. Donc, je peux avoir, donc, 15 divisé par 15, ça va donner 1. Et 45 divisé par 15, ça va donner 3. 228 et 204, donc, ici, je peux, par exemple, euh, diviser par, regardez, par 4. Donc, j'en peux diviser par 4. 9, non plus, regardez. Donc, je vais, euh, je vais diviser, donc, 228 divisé par 4 ça va donner égal à soit 57 57 et 204 divisé par 4 ça, ça va donner 51 égal 57 ici 51 je répète on a simplifié par 4 et on va voir regardez on peut encore simplifier vous allez constater qu'on peut encore simplifier par 3 parce que 5 plus 7 c'est 12 divisible par 3 5 plus 1 c'est 6 divisible par 3 donc 57 divisé par 3, 57 divisé par 3 égale à 19. Donc 19. Et 51 divisé par 3, regardez, donc 51, 51 divisé par 3, ça va donner 17. Donc 19, 19 sur 17. Donc ici c'est 19. 720 Je vais d'abord simplifier par 10. Regardez. On simplifie par 10. On aura 700, euh, 72 sur 324. 72 divisible par, par 9. Regardez ici. 324 est divisible par 9 aussi. Parce que la somme des chiffres c'est 9. Donc on aura. Je vais simplifier. Donc 5, 72. Je vais diviser par 9. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 8. Donc on aura 8 sur... Et 324. 324. Je vais diviser par 9 aussi. Ça va donner 36. 36. Regardez. 36. Et finalement, je peux euh, euh, simplifier par 4. 8 divisé par 4, ça va donner 2. 2. 36 divisé par 4, ça va donner 9. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc. Euh, Voici l'exercice 8. Donnez la fraction irréductible de chacun des nombres rationnels suivants. D'abord, on va rappeler la définition de « irréductible », la forme irréductible. Voilà la définition. Une fraction, la fraction, est irréductible lorsque son numérateur et le dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Donc, le diviseur et le dénominateur, c'est 1. Pour rendre irréductible, c'est ça ce qui nous intéresse ici, donc, pour rendre irréductible, pour euh, avoir une fraction irréductible, on simplifie le numérateur et le dénominateur par leur diviseur commun. Donc, euh, on, il faut simplifier hein, pour avoir quoi euh, une forme irréductible. Donc, on passe à la question numéro 1. Donc, regardez ce qu'on a ici. 6,81 sur 1,82. Donc, pour avoir une fraction, d'abord, il faut supprimer le, la virgule. Comment on va supprimer la virgule? Bien sûr, on va multiplier par 100 le numérateur dénominateur le euh, Voilà, le numérateur dénominateur le par 100. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura On aura 691 sur 122. Euh, 182. Voilà. Et vous allez, vous allez euh, vérifier, si vous voulez. Donc, mon. Donc, pardon. 691. 691 et 182. Euh, le problème c'est ici, dans 691, il n'est divisible par aucun nombre entre que 1 et 691. Had six six mille, had six mille, même que je ne elle a lui-même et et Donc donc ces deux nombres là, donc ils n'ont pas le le, le 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 mais donc ici, euh, pardon, le seul autre euh, puisque 182 n'est pas divisible par 600, bien sûr, 691. Ou bien, euh, voilà, d'ailleurs 691, il est divisible uniquement par 1 et lui-même. Et celui-là, donc celui-là et celui-là, le numérateur et l'ordinateur, ils ont euh, uniquement 1 comme diviseur commun. Donc c'est la forme irréductible. L'indice, hein, c'est la forme irréductible. Donc ici, regardez. 98, 168. Donc, vous allez constater qu'on peut, par exemple, diviser par 2. Par Donc, 98 euh, par 2, qu'est-ce qu'on aura On aura, on aura 80, 49. 49. Ici, encore, 168. On va voir, pardon, on va voir, est-ce que euh, 168, est-ce qu'il est divisé par... Euh, on a divisé par 2. Ah, on va diviser par 2, pardon, et on va voir qu'est-ce que... Ah, 84. Donc 84. Les diviseurs 49 maintenant, c'est quoi les diviseurs de 49? C'est 7. Et 49 est 1. Donc, je vais voir, est-ce que 84. 4, 4, est-ce que 84 est divisible par 7? Donc je vais diviser par 7 et je vais voir. Ah, très bien. Donc 12. Donc 49 divisé par 7, ça va donner 7. Et 84 divisé par 4, ça va donner. Euh, on a dit 12. C'est ça. Voilà. 12. 7 fois 2, ça va donner 14. Donc, etc. Donc, c'est. Ah, avec un moins. Le moins, je peux le euh, poser ici. Donc, le mettre ici. 98 par 90. Donc, 98, on peut diviser par exemple par 2. Par hein, la première fois. Donc, donc, on va. 49. Quoi encore? Ici, par 2, ça va donner 45. Voilà. 45. Maintenant, non. Donc, les diviseurs de 49, c'est quoi? Les diviseurs de 49, c'est 1, c'est 7 et 49. Ici, pour, 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 pour ce qui concerne 45, les diviseurs de 45, c'est 1 et quoi encore? Et 45, et, et 9, et 5. Donc, ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Donc, voilà, c'est une euh, forme irréductible. Ici, on peut diviser par quel nombre Regardez. Donc, 1 plus 2, ça va donner 3. Plus 6, ça va donner 9. Donc, 9, 5, euh, 5 plus 6, c'est 11. Plus 7, 18. Donc, on peut diviser par 9. Voilà. Donc, 1260 divisé par 9, ça va donner 140. Donc 140, 140, 550, regardez, 700, 756 divisé par, on a dit 9, égale à quoi 84. Donc 84, vous allez constater qu'on peut diviser par 4. Donc 140 divisé par 4, égale à 35. 35, voilà, 35. Et 84 divisé par 4, ça va donner 21. Ah, on peut encore simplifier davantage par 7. 35 par 7, ça va donner 5. 21 par 7, ça va donner 3. Donc, euh, pour ce qui concerne la dernière question, euh, moins 506 sur 78. D'abord, on peut diviser par 2. Donc,. Euh, voilà, on va diviser d'abord par 2, regardez, 506 divisé par 2, c'est quoi Égal à 253, donc euh, égal à moins 253. 78 par 2, ça va donner 39. Maintenant, pour simplifier encore, on va voir, est-ce qu'ils sont les diviseurs de 39 hein les diviseurs de 39, c'est 1 bien sûr, c'est évident, donc c'est 3 et 13 et 39. Vous pouvez vérifier ça, 1, 3, 13 et 39. On va voir, est-ce que 253 est divisible par l'un de ces diviseurs, les diviseurs de 39 Est-ce que 253 est divisible par 3 Non pourquoi? Parce que la somme des chiffres n'est pas divisible. 2 plus 5, c'est 10. C'est 7. 7 plus 3, c'est 10. 10 n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 13? Donc on va diviser par 13. 200. Ah, pardon. 253. Divisé par 3. Non, il n'est pas divisible. 253. Est-ce qu'il est divisible par 13? Égal non plus donc il n'est pas divisé donc ils n'ont pas de diviseur commun donc voilà ça c'est la forme irréductible on passe à l'exercice suivant écrire chacun des nombres rationnels suivants sous forme d'un rationnel de dénominateur 60 donc euh, tout simplement c'est comme si on nous a demandé de Réduire au même dénominateur tous ces nombres-là. C'est-à-dire, on doit avoir au dénominateur euh, 60. Donc, tous ces nombres. 1 sur 5, qu'est-ce qu'on va dire Donc, <coughs> comment peut-on avoir 60 Donc, ici, vous allez constater que 5, on peut par exemple diviser 60 par 5, on aura 12. Donc 12 fois 5, on aura 60. Donc on va multiplier le numérateur et le numérateur par 12. Donc on aura 12 sur 60. Le suivant, moins 2 sur 3. Donc 3, on va multiplier par 20. Donc moins 2 par 20. Donc on aura moins 40 sur 60. Euh, moins 30, on va multiplier par moins 2. On aura 60. 14 fois moins 2, moins 28. 1,5. Donc regardez ici, qu'est-ce que je vais faire Je vais d'abord supprimer cette virgule-là. C'est-à-dire je vais multiplier d'abord par 10 le numérateur. Donc on aura 29 sur 29 sur 15. Et après, c'est facile maintenant, on va multiplier par 4. Donc 4 fois 15, on aura quoi 4 fois 15, on aura 60. 4 fois 29, 29 donc on va effectuer la multiplication. Donc 29. J'utilise la calculatrice pour bien sûr pour gagner un peu de temps parce que c'est un peu parce que les questions sont nombreuses. Hein. Donc euh, regardez, 29 fois 4 égale à 116. Donc on aura 116 sur 60. Ou encore ici, moins 45. Ah, regardez ici ce que je vais faire. Je vais d'abord simplifier. Regardez, je vais simplifier par par moins parce que moins sur moins ça va donner plus et je vais simplifier encore par quel nombre ici euh, 3 je peux simplifier par 3 j'aurai euh, ici 4 ici 15 1 hein? donc je simplifie par 3 12 par 3 c'est 4 45 par 3 c'est 15 et on multiplie après on multiplie par euh, 4 et on aura 16 encore sur soit 60 Ici, pardon, ce n'est pas 16. Ici, c'est 116, je crois. Hein? Donc 29, je répète, 29 fois, fois 4. Voilà, 116. Donc il est encore là. Donc, pardon. Ici, c'est 116. Et ici, c'est 16. 16 sur 60. On passe au suivant. Donc la même question pour euh, la question 2. Donc, pour avoir le même dénominateur, hein, 60, regardez. Donc, c'est très facile ici. Hein. Donc, vous allez constater que 60 est un, est un multiple commun de tous ces, ces dénominateurs-là. Donc, pour avoir ici 60, on va multiplier par 10. Ici, par 10. Ici, on va multiplier par 6. Ici, par 6. Ici, on va multiplier par 4. Par 4. Ici 30. 30. Ici on va multiplier. 12 fois 5, ça va donner 60. Je vais multiplier par 5 ici. Donc maintenant il suffit d'effectuer de, les, 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 les opérations. 5 fois 10, 50. 50 sur 60, etc. Non, c ça, vu. 7 fois 6, 42, 42 sur 60, etc. etc. Donc on passe à, au dernier exercice. Donc, dans chaque cas, réduire au même dénominateur. Donc, voici le premier cas. Donc, on a 5 sur 36 et 6 sur 90. On va les réduire au même dénominateur. Donc, vous allez constater. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, regardez. Donc, il y a une méthode que la plupart des élèves préfèrent, cette méthode-là, et c'est juste. Qu'est-ce qu'ils font Ils multiplient. Le numérateur et le donateur de 5 sur 36 par 90. il multiplie quoi? 6 et 90 par 36. C'est correct. C'est correct. C'est juste. Mais je vais vous montrer une autre euh, méthode. Euh, Qu'on peut utiliser en pratique. Parce que euh, lorsqu'on utilise cette méthode-là, lorsqu'on multiplie le numérateur et le donateur par le numérateur de ce nombre, on aura des nombres plus grands. Mais ici, regardez ce que je vais faire. Je vais faire d'une autre manière. On a 6 sur 90. Je vais la simplifier. Ici, on ne peut pas simplifier davantage. Donc, regardez ce que je vais faire. 6 sur 90, il va devenir... Regardez, 6 sur 90, je peux simplifier par 3. Donc, j'aurai ici 2. Ici, j'aurai 30. Regardez bien. Donc ici on a 30, maintenant 36. Donc on va les mettre au même dénominateur maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va dire On va chercher le nombre hein, qui est multiple commun de 36 et 30. Donc regardez, bien sûr le produit de ces deux nombres, hein, c'est-à-dire 36 fois 30, c'est un multiple commun de 30 et 36. Euh, mais il y a une autre méthode. Regardez, je vais faire comme ça. Regardez. Euh, pour ce qui concerne 30, je vais écrire 2 sur... Et ici, je vais euh, décomposer. Je vais écrire 6, par exemple, fois 5. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on aura Regardez, on a 5 sur 36. Ici, qu'est-ce qu'on a Je peux écrire 5 sur 6 fois 6. Hein? Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire donc, je peux par exemple, je veux dire, on a ici 6 fois 5. Ici, on a 6 fois 6. Donc, pour équilibrer, hein, c'est-à-dire pour avoir les mêmes facteurs ici, et ici, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui manque ici Donc, il manque 5. Je vais euh, écrire fois 5. Ici, fois 5. Regardez. Hein, J'ai multiplié le de matin pour avoir 6 euh, fois 6 fois 5. Regardez ici. Qu'est-ce qui manque ici pour avoir le même dénominateur Je connais les facteurs 9 9, 1000. Donc, on va écrire 2, euh, regardez, 2 sur 6 fois 5. Donc, je vais multiplier par 6. Je vais écrire 2 fois 6 sur 6 fois 6 fois 5. Donc, vous allez constater, voilà le dénominateur commun. Hmm? Et je peux encore faire la chose suivante. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de ce nombre par 30. Et le numérateur et le dénominateur de ce nombre-là, hein, par quoi Par 36. C'est pareil. Regardez ici, 5 sur 24 et 7 sur 40. Donc ici, regardez, je peux, par exemple... Multiplier le numérateur toujours et le numérateur de celui-là par 40 et celui-là par 24. Mais regardez, je peux par exemple, vous allez constater que 240, 240 est un multiple commun. Mais comment Regardez, 240 ici, je vais multiplier par 10. Ici par 10. J'aurai 240. Ici, comment on, on aura 240 240, regardez, vous allez constater que 240, si je le divise par. Euh, par quoi Par 200. Euh, par 40. Qu'est-ce que je vais avoir Par 40. Donc, euh, pour chercher le nombre. Donc, je vais, je vais multiplier. Donc, donc, je vais multiplier ici par quel nombre Regardez. Le nombre, c'est 6. Donc, si je multiplie 40 par 6, j'aurai 240. Ici, voilà 240. Ici, 240. Hein? Tout simplement. Euh, quoi encore ici on a 20 et 12. Donc, vous allez constater que 12, 20, je peux multiplier par 6. Donc, c'est 120, par exemple. Ou bien, pardon, 60. 60, oui, je peux multiplier par 3. Je peux multiplier par 3. Donc, par 3, ça va dans les 60. Ici, pour avoir 60, je vais multiplier par 5. Donc, regardez. Donc, j'aurai 60. Et si, et si vous n'avez pas arrivé à trouver... Euh, ou bien appliquer si vous n'avez pas, et si vous n'assimilez pas cette méthode-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez, vous pouvez euh, multiplier le numérateur le numérateur de celui-là par 12 et celui-là par 20. Donc l'essentiel, c'est d'avoir le même dénominateur. Mais lorsqu'on a le dénominateur plus petit, ça sera mieux, je crois. Hein Donc regardez, exercice 10. Donc la dernière question de l'exercice 10. Toujours la même question, le même dénominateur dans chaque cas. Donc voilà. Ah, ici on a trois éléments. Regardez. Ici, il y a une méthode très importante très, très pratique. Regardez, moins 5 dans la décomposition, vous avez 4 fois 11. Quoi encore? Moins 4 sur 5 fois 11. Regardez bien. Donc pour équilibrer, pour avoir le même dénominateur ici qu'est ce qui manque dans ce produit là je le produit comme donc je vais multiplier par 5 pardon je vais utiliser d'autres couleurs donc là je vais multiplier par 5 ici par 5 hein quoi encore ici qu'est ce qui manque il manque 4 mais connu les facteurs donc quoi 4 ici on va multiplier par 4. tout simplement regardez. voilà Maintenant, regardez, on a trois facteurs. Donc voilà la, la, la méthode que je vais euh, utiliser ici. Donc regardez, je peux par exemple 10 et 15. 10 et 15, par exemple, je peux... Euh, on peut dire 30, non? Donc vous allez constater que 30, c'est un multiple commun de ces deux-là. Donc je peux écrire par exemple 3 sur 30. Quoi encore? Et quoi Et 2 sur 30. Maintenant. Non, pardon. Je vais multiplier par 3. Donc j'aurai 9 sur 30. Ici je vais multiplier par 2, j'aurai 4 sur 30. Et ici 11 sur 18. Regardez. Donc sur 18, donc le facteur commun, je peux par exemple. Ah, je peux multiplier ici 30 par 6 pour avoir 180. Ici je vais multiplier par 10. Donc ici je vais écrire 9 sur non je vais regarder drabe 9 je vais multiplier par 10 donc 6 fois 9 ça va donner 45 pardon pardon 54 plutôt 54 sur euh, on a multiplié j'ai dit euh, par 6 voilà donc 180 ici je vais multiplier par 10 110 sur 180 Ici, je vais multiplier par 6, j'aurai 12 sur 180. Donc, regardez, on a le même dénominateur. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va corriger les exercices de la page 17. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt